Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, c'est le premier jour de la rentrée. Lourd comportement des écoles. Ouais, c'est pas du jeu. Prématernelle, engrais, 700 000. Maternelle, 800 000, 900 000. Zone 4 000, là, c'est gâté. 1 million et quelques, maternelle. On dit transport des enfants, 300 000, 400 000. C'est dans les aides privées, ils sont là-bas, bien. Ça, c'est sans compter les histoires de l'agent des cantines scolaires, l'agent des carnets de correspondance, unité pour la maîtresse, il y a quoi d'autre encore? Les produits hygiéniques, et sans oublier aussi le truc le plus important, les livres ne s'achètent pas partout, seulement à la librairie de France. D'accord. C'est à cause de vous, souvent d'autres à votre, là, c'est à cause de vous. Parce que si c'est avoir un enfant et puis on finit comme ça par devenir misérable, là, c'est pas bon. Ou bien quand les enfants là finissent net, là, à même temps, ils rentrent à l'ENA. Votre école là, c'est école des sorciers ou bien c'est pour les francs-maçons. Non mais on souffre trop. Actuellement la ministre est venue, elle en y va à faire des frais de cogeste. On est content d'entrer, on n'a même pas fini de danser là. En plein Covid là, vous venez mettre des prix comme si c'était caution de maison qu'on partait payer. Non, arrêtez ça. Arrêtez, c'est trop cher. Après quand tu as parlé, on te dit non, tu n'es pas la cible. Vous, nous on n'est pas la cible, on a compris. Maintenant vous qui faites marche, qui vous plaignez, qui discutez sur la cherté de la vie là, vous est-ce que vous êtes la cible de la vie? Vous aussi, vous n'êtes pas la cible. On n'est pas la cible d'un produit de quelqu'un. Mais on est encore d'ivoire. Allez-y doucement. C'est quoi ces prix-là? Vous mettez des prix. Les prix sont élevés. Moi, mais rien, les prix, mais si dépassé, rien, produit de toilette. C'est la basilic qu'on sait nettoyer ou bien. Vous mettez les trucs, on doit payer saut, on doit payer combien de litres d'eau déjà, on doit payer mouchoir, on doit payer paquet de cash, on doit payer. Ah, on paye trop, et vous, on paye trop. On paye trop. Pourtant, nos enfants, vous, ils s'asseyent pour dormir là-bas. Il s'asseyent même là, vous dites goûter, goûter, on a pêché là. Vous voulez donner biscuit et bissap. Est-ce que ça, là, on peut faire ça? Mais c'est vous qui êtes toujours en train de. Non, moi j'ai dit, hein, hé, hey, mon enfant là, il a joué, elle est à la maison. Il a changé de nom, hein. Actuellement, elle fait une nouvelle coiffure sur ma tête. Je m'appelle maîtresse. Il a changé ma voix, elle choque. Oui, oui, ma fille, on saute, s'il te plaît, on court. Voilà, on court, on marche. C'est pas ce que vous faites. Je m'ai fait ça aussi. Elle paye beaucoup de jouets, puis elle met. Si ça va pas qu'à la maison, elle s'ennuie, là, elle est sur le toboggan quelque part là-bas. Mais c'est trop cher. L'éducation, ça coûte trop cher. Les parents crient, là, mais on n'est pas encore allé payer les fournitures. Établi, école seulement, rien le coût. C'est trop élevé. Et puis en plus de maintenant, il y a lourd comportement des chauffeurs. Il les a vus aller là. Ils vont tuer. Carrefour Saint-Jean, ils vont tuer. Ah, c'est quand tu dis même, engrais, tu regardes. Ah, c'est toi, tu es l'homme même. L'homme malin. Quand tu viens, tu dis, ah, chauffeur, dis, oh, vends-moi. Tu as déjà dépassé. La vie, 100 francs, 100 francs. Tu l'arrêtes même, là, il ne t'écoute pas. Chacun a son tour. Chacun a son tour. Actuellement, la rentrée est arrivée. C'est votre saison, c'est votre trêve. Tuez-nous, ça a fini. Normalement, on doit même dire à madame la ministre d'aller voir aussi du côté des écoles là. Ils exagèrent. Et puis le ministère des Transports, parlez aussi à vos gars là. Comment, même distance qui coûte 300 là, dès qu'il fait nuit, engrais, chose là, ça devient 700, ça devient 800. Soit même quand tu vas vers soleil 2, soleil 3 là-bas, on te dit de payer 800 ou bien 1000 francs. Tu es censé. Après, vous tout vous plaignez, non, la cherté de la ministre, tous sont les dedans. Parce que quand on a une occasion comme ça d'augmenter là, on ne rate pas les autres, on n'a aucune compassion. Ceux-mêmes qui étaient élèves, même qui pleuraient, qui se plaignaient de transport là, eux-mêmes sont devenus chauffeurs maintenant, eux-mêmes vont tuer. Ceux qui se plaignaient que l'école coûte cher, ils sont devenus maintenant directeurs des études dans une école là-bas là, ils vont tuer. Lourd comportement de la rentrée scolaire, lourd comportement. On est fatigué de ces lourds comportements là. Moi, j'ai dit ce qu'ils pensaient. S'il y a d'autres lourds comportements que vous connaissez là, mettons un bon avancé à ça. Vous êtes trop loués, vous êtes fatigués. Ma fille, assieds-toi. Je viens, elle est jouée là, on va commencer. Nous sommes des maîtresses dans la maison ici.